Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le lundi 11 avril. On se retrouve pour faire un petit album ensemble. Donc je me suis un petit peu avancée pour faire un petit peu mes découpes, etc. pour que la vidéo soit un peu moins longue. Donc on va faire un petit album tout simple, mais quelque chose qui peut être voilà, accessible aux débutants, tous ceux qui veulent faire un truc assez rapide, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc moi je vais utiliser ce bloc-là de chez Action. Donc on va faire un album 100% Action. Et voilà, parce que celui-ci, je l'ai pris, mais je ne sais pas trop comment l'utiliser. Alors je me dis un album, pourquoi pas? Et je pense que ça pourrait être sympa. Enfin, j'espère, on verra à la fin ce que ça va donner. Voilà. Donc pour cet album, il va vous falloir pas mal de papier quand même. D'accord? Donc du coup, pour commencer, on va faire la structure. Donc la structure, vous allez prendre le papier noir comme ça ou blanc ou ce que vous voulez. Donc vous allez prendre un papier le plus épais comme ça pour la structure, ça sera beaucoup mieux. Et ensuite pour les pages, vous prenez le papier le plus fin, ça suffit, mais vous pouvez prendre aussi le papier épais. Voilà, ça c'est vous qui voyez. Moi j'ai pris du papier fin. Alors du coup, pour la structure d'album, il va vous falloir. Alors, c'est parti, c'est pour toi. Alors, il va vous falloir un rectangle de 27, non, de 28, pardon, sur 15. D'accord? Et vous allez faire un pli à 4, un pli à 6, un pli à 16 et un pli à 18. D'accord? Ça, c'est pour la structure. Et ensuite, pour les pages, il va vous falloir des rectangles de 29. Non. Voilà. Et en fait, vous allez couper votre page à 29 sur 18. D'accord? Et ensuite, les pages, en fait, elles vont faire donc 18 sur 14,5. Et vous allez tout simplement le plié à 9,5 au milieu. D'accord? Et là, en gros, il vous en faut à peu près 14. Donc ça va vous faire 7 grandes pages à 4, mais que vous allez pouvoir utiliser en 2. Donc ça va vous faire 14 petites pages. D'accord? Vous avez compris ou pas? Donc, vous prenez 7 pages comme ça. Et vu que vous pouvez en faire 2 pages dedans, ça va vous faire 14 petites pages. Alors, hop, voilà pour le screen, pour les dimensions. Enfin, pour le screen, pour les dimensions. Enfin, je me comprends. Voilà. Allez, c'est parti. Donc du coup, on va prendre notre feuille la plus épaisse. On va commencer déjà par la structure. Donc vous allez couper votre papier à 15, d'accord, sur 28. Voilà, comme ceci. Et là, on va faire un pli à 4, un pli à 6, un pli à 16. Et un pli à 18. Voilà, donc là on a notre petite structure d'album toute simple. Vous voyez, on n'a pas de cartonnette, on n'a pas tout ça. Voilà, donc ça va faire un album en fait qui se ferme comme ceci. Donc on a déjà fait un petit peu ce style-là. Voilà, moi je trouve ça sympa et voilà, c'est bien de faire des petites choses comme ceci. D'accord? Donc du coup, maintenant pour les pages, comme je vous ai expliqué, vous allez prendre un papier. Donc moi j'ai pris le papier le plus fin. D'accord? Après vous prenez le épais si vous voulez prendre le épais. C'est vous qui voyez. Alors là, il ne me reste plus que du épais. Ça part trop vite le papier. Donc voilà, moi je prends le papier le plus épais, le plus fin, pardon. Donc là, vous allez, comme je vous ai dit, en fait, vous coupez votre papier ici à 29 pour directement avoir votre papier, d'accord? Et ensuite, vous le coupez à 18. Et dans cette feuille-là, en fait, vous pouvez faire 2 pages. D'accord?
Et après, sur la longueur, ici, vous coupez à 14,5 et vous pouvez faire deux pages. Donc là, vous coupez à 14,5, donc ça vous fait une page de 18 sur 14,5. Et ensuite, vous allez la plier en deux, comme ceci. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez une page. OK? Et ça, vous le faites autant de fois que vous voulez deux pages. D'accord? Donc moi, j'ai déjà commencé ici, vous voyez. Donc moi, j'en ai fait... Alors, moi, j'en ai fait une, du coup, deux, trois. Et là, ça va faire quatre. Après, vous faites autant de pages parce que de toute façon, ici, vous avez 2 cm. Donc, vous avez largement la place d'en faire autant que vous voulez. D'accord? Donc là, moi, j'ai déjà commencé à coller pour m'avancer. Et voilà. Donc là, en fait, vous voyez, vous pouvez faire autant de pages. Et après, avec une page à 4, en fait, vous pouvez faire 2 pages à l'intérieur. Donc, c'est déjà... Enfin, c'est pas mal. Donc, moi, je vais rajouter celle-ci. D'accord, celle-ci, je la garde, ça pourra me faire pour un prochain projet parce que le papier, ça part vite. Ça part vite. Alors, par contre, je vais plier un peu. Je suis pas droite dans ma tête en ce moment, du coup. Je vais plier un petit peu à l'arrache. Voilà. Donc là, vous pliez en deux votre papier. Et tout simplement, vos papiers, vous allez les coller l'un sur l'autre, d'accord, pour faire un petit livret. Donc, vous collez cette page à l'autre, l'autre à l'autre, et ça vous fait un petit livret. On a déjà fait ce système-là, d'accord? Donc, en fait, vous avez juste à coller les pages les unes sur les autres. Alors, je vais prendre une colle neuve parce que l'autre, elle est morte. Voilà, donc là, vous prenez... Enfin, moi, j'ai déjà commencé à coller hein, pour gagner du temps, comme je vous ai dit. Donc là, vous prenez votre petit, vos petites pages, vous les collez les unes sur les autres. Donc du coup, là, on met de la colle. Et vous les collez les unes sur les autres en faisant attention d'être vraiment bien droit. Hein. Comme d'habitude, je vous le dis, mais... Voilà, après c'est un album, là il faut vraiment rester droit de chez droit. Il va être aligné quoi. Donc là, vous collez sur l'autre et vous essayez de vous aligner de partout, que ce soit au niveau de la tranche et au niveau des côtés ici. D'accord? Pour que votre livret soit le plus droit possible. Voilà. Donc là, vous collez toutes vos feuilles, donc la quantité que vous voulez. Moi là... J'en ai pas fait beaucoup, hein, parce que ma tranche, elle va faire... elle fait même pas un... Allez, elle fait 0,5. Donc, je peux faire le encore 4 fois ça pour remplir, en fait, l'album qu'on a là. Et bon, moi, j'ai pris du papier fin. Mais si vous prenez du papier épais, ça fera un peu plus épais, quoi. D'accord? Mais bon, après, là, c'est vous qui voyez la quantité que vous voulez en page. Donc vous pouvez quand même mettre beaucoup beaucoup de pages. Donc c'est un album qui peut en contenir quand même pas mal. Donc ensuite, on va couper nos papiers. Donc je me suis avancée aussi. Hein. J'ai coupé les papiers parce que bon voilà, pour que la vidéo soit un petit peu moins longue. Donc là, on a 9,5 sur 14,5. Donc du coup, vous coupez à 9 sur 14, tout simplement. Et ensuite, vous collez vos pages. Donc du coup, moi j'ai fait plusieurs modèles pareil hein, parce que voilà, pour optimiser un petit peu mon bloc de papier. Après, malheureusement, celui-là il n'est pas recto verso, donc du coup voilà, c'est bien quand c'est recto verso parce qu'on peut utiliser du coup des feuilles de papier qui soient voilà, pas pareil quoi, on va dire. Donc du coup, hop, et là maintenant vous allez coller vous allez coller vos feuilles tout simplement sur vos pages. Alors vous collez partout sauf sur la dernière du fond, parce que la dernière en fait vraiment celle qui est en dessous, elle va être collée sur sur l'album. Donc du coup là vous y collez pas de papier. D'accord? Donc là on colle. On essaye de se coller droit et on colle et on colle et on colle. Voilà, je vous ai dit, c'est quelque chose qui est vraiment très très simple à réaliser et ça peut être rapide aussi.
Bon, rapide, oui et non, parce qu'il faut quand même découper les papiers, donc du coup, voilà. Donc, et ça peut être quand même assez. C'est pas un gros album, quoi, donc du coup. Donc après, moi, je vous ai donné des mesures, c'est pareil, vous pouvez changer les mesures, vous pouvez le faire plus grand avec une feuille genre 30-30. Vous pouvez faire la base là de votre album, vous pouvez la faire avec une feuille 30-30 pour en faire un beaucoup plus grand. C'est possible aussi. Donc en changeant un peu les mesures, vous pouvez faire un album plus grand. Dans le même système, mais voilà, plus gros. Si vous voulez mettre des plus grandes photos, il n'y a pas de souci. Donc après, c'est pareil, hein, les photos. Sachez que vous pouvez, il y a plusieurs tailles de photos qui existent. Hein. Donc vous pouvez mettre des photos plus grandes, plus petites. Voilà, on peut faire développer des photos à toutes les tailles aussi. Donc là, on colle. Voilà. J'espère que j'ai découpé assez de papier. J'espère que je ne me suis pas trompée aussi dans les mesures. Parce que bon, vous savez qu'avec moi, tout est possible. Donc là, vous voyez, j'ai des feuilles, j'ai des papiers qui se ressemblent en double, mais c'est pas, voilà, c'est pas gênant, hein. C'est pas gênant. Alors, attendez. Ce que j'ai vraiment en double et tout ça, je vais les coller un petit peu partout. Qu'après, je me retrouve pas avec deux pareils, surtout. Ce serait ballot de pareil à poter. Donc voilà, la dernière feuille ici, vous collez rien, d'accord? Donc là, vous voyez, j'ai pris un papier fin, mais vu que là, c'est doublé plus le papier cartonné, franchement, c'est... C'est assez raide, quoi, voilà, ça vous fait des bonnes pages raides, ça fait pas quelque chose de fin, quoi. Une fois que vous voulez tourner ou vous voulez bouger, ça fait pas alors j'en suis ouf, j'en suis là. Ça se trouve, j'ai pas assez de papier. Je ne sais pas. Donc là, on colle. Voilà, pour ça que je voulais vous faire gagner du temps avec la découpe, etc. Au moins là, j'ai un petit peu de temps, donc du coup, autant le faire. Autant le faire. Je sais pas si j'ai fait assez de papier. J'en ai fait 15. Je sais pas si j'ai bien compté, par contre. Je sais pas si j'ai bien compté. Alors, du coup, là, je crois qu'il m'en manque une. On va mettre celle-ci. Ah, j'ai la colle qui a débordé. J'en ai partout. Ça y est, j'en ai partout. Voilà. Alors ça, du coup là il me reste, bah voyez, non, j'ai bien compté, hein. Il me reste que deux à coller, donc c'est bon pour une fois. Voilà, on va mettre celui-ci et l'autre on va mettre les genres de petits papillons là, enfin les genres, c'est des papillons, on dirait des papillons de nuit. Ça fait pas des papillons, les beaux papillons colorés, vous savez, qu'on a dehors là. Ça fait un peu papillon de nuit. J'ai l'impression. Voilà. Donc là, une fois qu'on en est là, on a fait déjà une bonne partie, vous voyez, de notre album. Puisque là, c'est le plus long. Voilà, les pages, tac. Et voilà, nos pages sont terminées. D'accord? Donc est-ce que j'en ai pas oublié une quelque part, moi? Est-ce qu'il me reste un papier? Je vais vérifier. Parce que... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Et c'est bon. Donc là, on va reprendre notre structure, d'accord? Et là, on va décorer tout simplement cette structure. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas plus simple, pas plus bête. Franchement, c'est
quelque chose qui est vraiment, voilà, et c'est accessible à tout le monde, hein, là, pour le coup, même celle qui débute ou qui sait pas faire du scrap, voilà. Donc, du coup, on a une première partie ici qui fait 10, du coup, sur 15. On a la deuxième ici qui nous fait bah, 10 sur 15. Et là, on a le petit bord qui fait 4 sur 15. Donc, déjà, on va couper des papiers ici, là, donc 2. 4 papiers, donc en sachant que là ça va être votre couverture, d'accord, c'est ce qui va se voir, et là aussi, et puis après on a l'intérieur là. Bon, l'intérieur après c'est pas gênant, on n'a pas obligé de la, on n'est pas obligé puisque ça va être collé là, donc on n'est même pas obligé de, non franchement on n'est pas obligé d'en mettre un, ça sert à rien ici. Donc 3 papiers, donc 10 sur 15, donc 9 et demi sur 14 et demi. Donc moi j'ai mes papiers là qui sont ici, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre déjà en couverture? Alors, à l'intérieur. À l'intérieur, je vais mettre... on va mettre les papillons. Alors, 9,5, je vous ai dit. Donc là, j'ai pas coupé mes papiers. Hein. J'en fais quand même un petit peu avec vous. Quand même. Alors 9,5 sur 14,5, d'accord. Donc ça va être pour l'intérieur. Pour l'extérieur, je vais le faire assez simple. Voilà, je vais le faire comme ça. Donc 9,5. Sur 14,5. Pour l'extérieur, il m'en faut 2. Je vais mettre les deux mêmes. Voilà, donc là j'ai mes trois, d'accord, mes trois papiers qui vont aller là et là, d'accord. Donc ensuite là on a dit que ça faisait 4 cm. Ici ça fait 4 cm, d'accord. Donc là je vais mettre, est-ce que je mets celui-là qui est plus flashy? Alors après, vous regardez hein, ce qui va le mieux pour... Au moins que je mette ça là. Sans lui, je vais le mettre sur les côtés. Et ici, je vais mettre plus ça là. Donc ça fait 4 cm sur 15. Donc vous allez couper un papier qui va faire 3,5. D'accord. Donc 3,5. 14,5. Donc là on va le mettre ici, 14,5. Donc là il nous en faut 2, d'accord, un pour l'intérieur, un pour l'extérieur. Et ensuite nos tranches font 2 cm. Donc là vous allez faire des papiers de 1,5, est-ce que je vais y arriver à faire 1,5, voilà, sur 14,5. Donc là, il vous en faut 4. Puisqu'on a 2 tranches, mais il faut les deux côtés. Donc 14,5 et 14,5. Hop, bon, je coupe tout. J'espère que vous avez compris ce que je vous dis. Et ensuite, encore 1,5. Voilà, sur 14,5. Et sur 14,5. Voilà, d'accord. Allez, maintenant on va décorer tout ça. On va décorer tout ça. Donc du coup là on va prendre notre structure d'album. Si j'arrive à l'attraper dans tout ce bordel. C'est une catastrophe. Donc là, si vous voulez, on peut arrondir les angles, etc. D'ailleurs, on va les arrondir après, je pense. Donc là, si vous voulez mettre des aimants, c'est maintenant. Donc là, vous mettez. Des aimants ici, d'accord, vous en mettez aussi là, et après ça va faire clap clap, ok. Alors moi je vais mettre du scratch. Donc la dernière fois il y a une personne qui m'a demandé une fermeture pas chère, etc. Donc il y a du scratch, enfin ça fait longtemps que j'en ai pas pris non plus, donc je vous dis, alors sans sûreté parce que à Action il n'y a plus rien, mais au rayon bricolage normalement vous avez des paquets de scratch, donc des paquets de scratch noirs ou blancs, d'accord. Et ça coûte moins d'1 euro, je crois que c'est
sais même plus. Je pourrais même pas vous dire. Ça doit être dans les 80 centimes, 89 centimes. Enfin voilà, je ne veux pas vous dire de bêtises. Mais je sais que bon, à moins qu'il n'y en ait plus maintenant, parce que je sais qu'ils arrêtent plein de trucs. Mais voilà, normalement, à Action, vous avez dans le rayon bricolage du scratch. Donc voilà, et c'est vraiment pas cher, et dedans on en a pas mal. Donc franchement, voilà, pour faire des petites fermetures pas chères, c'est bien. Donc, voilà. Donc je sais que je t'avais répondu en commentaire, mais je le redis sur la vidéo pour celles qui arrivent sur ma chaîne et qui ne connaissent pas forcément. Voilà. Donc là, bah, vous collez vos papiers, hein, d'accord? La tranche, les papiers de dessus, etc. etc. Voilà, comme ceci. Après là, bah, vous pouvez faire de la déco si vous avez envie. Enfin bon, voilà. Après, c'est vous qui voyez, toujours pareil, comment vous voulez décorer votre album. Moi, je vous donne la base. Après, à vous de voir. Alors, c'est pareil, il y a une personne qui m'a mis un commentaire hier. Souvent, je vous mets dans la communauté les vidéos qu'il va y avoir le lendemain pour vous donner une idée de ce que je vous propose. Et la personne m'a dit, mets aussi les blocs en photo, s'il te plaît, comme ça, je peux préparer. Le problème, c'est qu'il y a des fois, voilà, vous n'allez pas forcément avoir le même bloc que moi avec lequel je fais la vidéo. Comme la vidéo d'aujourd'hui, c'est la petite carte pop-up de Pâques, là. Et voilà, c'est le bloc que m'a offert Chantal et je pense pas que tout le monde l'ait, quoi. Donc voilà, je ne mettrai pas forcément les blocs. Et après, moi, je vous donne des idées. Donc, ce n'est pas pour refaire exactement la même chose avec les mêmes blocs, enfin, les mêmes blocs que moi, quoi. Voilà. Donc, et après, si les personnes n'ont pas forcément les mêmes blocs, voilà. Moi, à la base, je vous donne des idées. Vous n'êtes pas obligé de refaire avec la même chose ou les mêmes couleurs, etc. Il y en a plein là, justement, la carte de Pâques, ils m'ont dit qu'ils allaient faire des choses pour la fête des mères avec. Donc voilà, pas forcément sur Pâques. Donc du coup, voilà, je vais pas mettre les photos des blocs que j'utilise forcément, quoi. Donc là, avec l'intérieur, vous refaites la même chose. Vous collez tous vos petits papiers que vous avez déjà découpés, d'accord, comme ceci. Donc là, vous avez vu, j'ai arrondi les angles de ce côté-là pour lui donner un petit aspect un petit peu plus pochette, on va dire. Comme je vous ai dit, hein, ça, c'est des albums qu'on a déjà fait, qu'on a déjà vu un petit peu dans le même style. Après, on n'a pas forcément fait pareil. Donc bon, je me radote peut-être. Mais bon. Donc là, on va mettre celui-ci que j'ai découpé pour là. Voilà, mais bon là je vous dis, vous pouvez mettre quand même pas mal de photos parce que j'ai même pas compté. Je vais vous dire avec le nombre de pages que j'ai fait moi, le nombre de photos vous pouvez mettre dedans. Mais là si vous faites vraiment les 2 cm au niveau de la tranche, franchement vous pouvez faire, mais alors franchement un paquet de photos. Hein, parce que là regardez déjà, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, moins 15. 15, en sachant que j'ai que 0,5 ici. Donc franchement, voilà. Donc là, vous faites comme ça. D'accord? Vous allez le coller. Maintenant, si la tranche, vous ne voulez pas qu'on la voie ici, eh bien, vous faites une petite tranche en papier ou vous faites, voilà, vous faites avec un ruban, une dentelle. Vous savez, je vous ai déjà expliqué, hein, quand vous voyez la tranche comme ça, vous pouvez faire plein de choses. Donc là, moi, je vous ai dit tout à l'heure que normalement, cela, ça a séché, ça fait... Ah, même pas, ça fait plus de 0,5 du coup maintenant, avec les pages intérieures. Ça fait 1 cm presque. Donc là, j'ai 1 cm. Donc au pire, ce que vous faites, vous prenez un papier. Donc là, ça fait 14,5. D'accord. Donc, je vais le faire. Alors, je vous ai dit, ça fait 1 cm, on va dire. Donc, je vais faire une tranche de 3 cm. D'accord? Donc, vous prenez un papier. Vous mesurez votre tranche du milieu. Et après, vous faites un pli à 1 cm à chaque fois de chaque côté. Ou plus, si vous voulez que la tranche déborde plus. D'accord? Donc, sur, ça fait 14,5. Et donc là, je vais faire un trait à 1 cm.
Parce que voilà, je veux pas que ma tranche déborde de trop, mais si vous voulez faire une plus grande tranche, voilà, vous laissez 1 cm au milieu, tout simplement. Voilà. Vous laissez, si vous voulez que votre tranche elle arrive ici, vous faites un coin plus grand et un coin plus petit, quoi, hein, d'accord? Donc là, vous pliez votre papier. Et là, vous voyez, vous avez votre petite tranche pour cacher en fait ça. Et hop, là, vous allez venir le coller ici sur le bord. D'accord? Et après, vous revérifiez quand même que quand vous ouvrez, vous n'avez pas la gênance. Donc, vous allez coller par contre que sur les bords ici et là. Vous ne collez pas au niveau de la tranche. Donc là, moi, je vais le coller. Voilà, vous collez vraiment pas au niveau de la tranche, vous collez vraiment que sur les bords. Donc là, hop, vous collez ici. Voilà, j'ai peut-être fait un peu grand moi-même. Voilà, vous voyez, ça fait un peu moins de 1 cm. Mesurez vraiment bien votre. Voilà, vous voyez, ça fait un peu moins de 1 cm moi-même. Après, au pire, vous pouvez l'arrondir aussi comme ça. Je m'y suis pris comme un manche. Enfin voilà, vous mesurez exactement votre tranche. Et ensuite, bah, vous collez. Donc là, je vais la coller ici. Voilà, comme ceci. Si j'y arrive. Si elle veut se coller, bon, ça veut pas. Bon, j'arrive pas à coller, il veut pas se coller. Donc moi, je vais utiliser ma technique à chaque fois, mon ruban. J'y arrive pas, ça va pas se coller, donc j'abandonne. Tant pis, on va trouver une autre solution. Mon ciseau, il est là, voilà. Donc moi, je vais prendre mon ruban fétiche, comme d'hab, et voilà, je vais coller ça pour cacher ma tranche. Donc je vais juste utiliser du double face. Donc ça c'est pareil, c'est des rubans qu'ils faisaient à un moment chez Action. C'est pareil, je ne sais pas s'ils en font encore. Donc voilà, je ne peux pas vous dire. Ils en faisaient mais il y a longtemps. Et ça franchement, je ne sais pas s'ils en font encore. Bon, en tout cas, ça c'est un ruban. J'ai un stock de fou hein, de ça. Quand vous trouvez un truc que vous aimez chez Action, vraiment que vous trouvez bien, faites votre stock. Parce qu'après, si vous ne retrouvez pas, au moins vous savez que vous en avez pour... Même si vous en avez plein, hein, c'est pas grave, au moins vous savez que vous en avez. Vous voyez, là, moi je pose mon ruban ici, d'accord? Et ensuite, je vais le passer derrière. Par contre, vous serrez pas trop fort. Hein. Vous laissez un petit peu de marge pour l'ouverture en fait de votre album. Hein. D'accord? Vous laissez un petit peu de marge que ça puisse s'ouvrir. D'accord? Donc il faut que ça puisse s'ouvrir quand même. Je sais pas si je suis claire en ce moment. Je suis désolée. Je veux plus raconter trop ma vie sur YouTube, d'accord, mais voilà, en ce moment j'ai un petit peu de mal. Donc j'espère que vous me comprenez, parce que je cherche mes mots aussi, donc du coup, voilà. Donc là, hop, j'ai mis ma petite dentelle, vous voyez, comme ça fait joli. Pourquoi je parle comme ça? Donc là, ensuite, une fois que vous avez fait ça, ben, vous allez coller vos pages carrément ici. Voilà, vous voyez, donc il n'y a pas de reliure, il n'y a pas tout ça. Voilà, c'est vraiment un truc tout simple. Donc là, on va mettre de la colle de partout, derrière. Voilà, vous en mettez bien, que ça tienne bien, quoi. Voilà. Et là, vous allez le coller au milieu. D'accord? Après, vous pouvez faire le même système en le collant ici. Hein. Là, c'est vous qui voyez. Hein. Après, là, moi, il me reste de la marge, carrément, parce que j'ai 2 cm. Vous voyez, là, j'ai carrément de la marge. Là, je pourrais même limite faire un autre petit livret sur le côté ici. Vous voyez, là, je suis large, mais vraiment, pour faire un autre livret, moi, je regarde moi, mais je ne vous montre pas. Pour faire un autre livret à côté, là, j'ai carrément la place. Donc là, vous pouvez faire un petit livret ici et un autre là. Qui s'ouvre, je sais pas, un petit peu dans l'autre sens, avec juste quelques pages là, tac, vous faites un petit livret de ce côté, et voilà. Donc vous pouvez faire un gros livret là, et un autre petit qui s'ouvre dans l'autre sens. Hop, et voilà. Donc,
De ce côté, nous, on va pas faire un livret, on va faire une petite pochette. Voilà, donc là, je vais prendre ça. Donc, du coup, ici, on avait 10 cm. Nous, on a fait un papier à 9,5. Donc, je vais prendre celui-ci, là, 9,5. Ensuite, il fait 9,5 sur 9,5. Je vais couper en triangle. Voilà, tout simplement. Et je vais créer ma petite pochette comme ça. Alors, je ne mets pas de soufflet, mais après, si vous voulez faire un soufflet, vous pouvez faire un soufflet. Et là, tout simplement, vous mettez de la colle que sur les deux bords. Voilà, pour faire votre petite pochette. Tout simplement. Mais après, comme je vous ai dit, là, vous avez, enfin, si vous faites comme moi, là, vous avez largement la place de refaire un petit truc sur le côté, là. D'accord? Donc là, petite pochette, je vais la laisser sécher. Et là, du coup, ben, j'ai des chutes de papier. Et j'ai des chutes de papier noir. Donc là, ben, après, vous faites des petits tags. Voilà, vous faites des petites choses. Donc là, vous voyez, j'ai des petits trucs là. Et ça fait 6. Donc je vais faire du 6 sur 10. Et je vais en faire un deuxième 6 sur 12. On va bien voir ce que ça donne. Donc là, j'en ai un qui est ici. Donc on va faire du 5,5 sur 9,5. Voilà, pour celui-ci. Et l'autre, on l'a fait à combien? Sur 12. Donc je vais faire 5,5 sur 11,5. Voilà, comme ça, les petits tags, comme ça vous permet d'utiliser vos petites chutes de papier que vous pouvez avoir et en même temps décorer un petit peu votre album en plus. Après, vous n'êtes pas obligé d'en faire, hein. Mais ça décore un petit peu. Alors, hop. Donc là, on va mettre celui-ci. Donc après, vous pouvez arrondir les angles. Vous pouvez vraiment le faire en tag, mettre des petites ficelles, etc. Enfin, voilà. Après, à vous de voir suivant le temps que vous avez, suivant tout ça. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. D'accord? Donc là, on a nos petits tags. Voilà, comme ceci, qu'on va placer là. Donc le triangle, j'aurais pu le faire en fait aussi sur fond noir. Je l'ai fait directement comme ça. Donc après, comme je vous ai dit, vous pouvez décorer là. Après, vous décorez où vous voulez. Et voilà. Donc ici, maintenant, on va mettre donc le petit scratch pour fermer. Vous voyez, donc c'est des scratchs comme ceci. Et dedans, on en a du coup 20. Donc on en a 20 et ils font 20 mm. Donc après, vous pouvez. Par contre, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai plus de ça que de ça. Je sais pas, j'ai dû en faire tomber, hein. Donc voilà, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je le place comme ceci. Je place le collet, le côté qui scratch dessus. Voilà, directement. Voilà, comme ça sera bien aligné. Et après, je viens le coller, voilà, de l'autre côté. Hop! Donc après, si vous voulez rajouter de la colle, vous pouvez, mais franchement, ils tiennent super bien. Ceux-là, ils tiennent super fort. Enfin, franchement, pas besoin de rajouter, pas besoin de rajouter de la colle dessus. Mais bon, après, vous pouvez, si vraiment vous avez peur que ça ne tienne pas. Donc là, hop. Mais voyez, donc là, moi, ma tranche, elle est vachement plus grande que mon album à l'intérieur. Donc là, n'hésitez pas, hein, à faire vraiment la tranche de 2 cm. Ou si vraiment vous voulez faire plus petit, faites une tranche qui soit plus petite. Donc de 1 cm, vous voyez. Mais là, vous avez largement de la place de faire le double de ce que j'ai fait là. Parce que vous voyez, vraiment. Ou alors, comme je vous ai dit, pourquoi pas 2 livrets, un de chaque côté. Franchement, ça peut être plutôt pas mal, je pense. Voilà, à vous de voir comment vous voulez faire par rapport à cet album. Mais vous voyez, c'est un album qui est vraiment très, très rapide à réaliser. Enfin, rapide. Tout est relatif, hein. Il faut les découpes, etc., etc. Mais bon, voilà, c'est pas un gros album, mais moi je trouve que ça peut être sympa et ça peut faire, voilà, ça peut faire son effet et c'est quelque chose qui est assez rapide. Je me répète, assez rapide à réaliser comparé à un gros. Voilà. Bon, mais écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. N'hésitez pas, voilà, à le remplir beaucoup plus que moi je l'ai fait ici. Mais là, c'était vraiment pour le tuto, pour vous montrer comment on faisait.
Voilà. Allez, sur cela, team, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout, restez comme vous êtes. Bisous.